La ficelle, Guy de Maupassant. À Harry Alice. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en venaient vers le bourg. Car c'était jour de marché. Les mâles allaient, à pas tranquilles, tout le corps en avant à chaque mouvement de leurs longues jambes torses, déformées par les rudes travaux, par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille par le fauchage des blés qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide, par toutes les besognes lentes et pénibles de la campagne. Leurs blouses bleues, empesées, brillantes, comme vernis, ornées au col et aux poignets d'un petit dessin de fil blanc, gonflées autour de leur torse osseux, semblaient un ballon prêt à s'envoler, d'où sortaient une tête, deux bras et deux pieds. Les uns tiraient au bout d'une corde, une vache, un veau, et leurs femmes, derrière l'animal, lui fouettaient les reins d'une branche encore garnie de feuilles, pour hâter sa marche. Elles portaient au bras de larges paniers d'où sortaient des têtes de poulet par-ci, des têtes de canards par-là, et elles marchaient d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes, la taille sèche, droite, et drapés dans un petit châle étriqué, épinglés sur leur poitrine plate, la tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux et surmontée d'un bonnet. Puis un char à banc passait, au trot saccadé d'un bidet, secouant étrangement deux hommes assis côte à côte et une femme dans le fond du véhicule dont elle tenait le bord pour atténuer les durs chaos. Sur la place de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes, formaient une clameur continue et sauvage que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté ou le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait l'étable, le lait et le fumier, le foin et la sueur dégageaient cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs. Maître Ochecorne de Bréauté venait d'arriver à Goderville et il se dirigeait vers la place quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle. Maître Hochecorne, économe en vrai normand, pensa que tout était bon à ramasser qui peut servir, et il se baissa péniblement, car il souffrait de rhumatisme. Il prit par terre le morceau de corde mince, et il se disposait à le rouler avec soin, quand il remarqua, sur le seuil de sa porte, Maître Malandin, le bourrelier, qui le regardait. Ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol autrefois, et ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous deux. Maître Houchecorne fut pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi, cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille sous sa blouse, puis dans la poche de sa culotte. Puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point, et il s'en alla vers le marché, la tête en avant, courbée en deux par ses douleurs. Il se perdit aussitôt dans la foule criarde et lente, agitée par les interminables marchandages les paysans tâtaient les vaches, s'en allaient, revenaient, perplexes, toujours dans la crainte d'être mis dedans, n'osant jamais se décider, épiant l'œil du vendeur, cherchant sans fin à découvrir la ruse de l'homme et le défaut de la bête. Les femmes, ayant posé à leurs pieds leurs grands paniers, en avaient tiré leurs volailles qui gisaient par terre, liées par les pattes, l'œil effaré, la crête écarlate, elles écoutaient les propositions, maintenaient leur prix, l'air sec, le visage impassible, ou bien tout à coup, se décidant au rabais proposé, criaient au client qui s'éloignait lentement C'est dit, mes tantimes, je vous le donne. Puis, peu à peu, la place se dépeupla, et l'Angélus sonnant midi, ceux qui demeuraient trop loin se répandirent dans les auberges. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs, comme la vaste cour était pleine de véhicules de toutes races, charrettes, cabriolets, charabans, tilburis, carrioles innommables, jaunes de crottes, déformées, rapiécées, levant au ciel comme deux bras leurs brancards, ou bien le nez par terre et le derrière en l'air. Tout contre les dîneurs attablés, l'immense cheminée Pleine de flammes claires, jetait une chaleur vive dans le dos de la rangée de droite. Trois broches tournaient, chargées de poulets, de pigeons et de gigots, et une délectable odeur de viande rôtie et de jus ruisselant sur la peau rissolée, s'envolait de lâtre, allumait les gaietés, mouillait les bouches. Toute l'aristocratie de la charrue mangeait là chez Maître Jourdain, aubergiste et maquignon. Un malin qui avait des écus Les plats passaient, se vidaient comme les bocs de cidre jaune. Chacun racontait ses affaires, ses achats et ses ventes. On prenait des nouvelles des récoltes. Le temps était bon pour les vers, mais un peu mucre pour les blés. Tout à coup, le tambour roula dans la cour devant la maison. Tout le monde aussitôt fut debout, sauf quelques indifférents, et on courut à la porte, aux fenêtres, la bouche encore pleine et la serviette à la main. Après qu'il eut terminé son roulement, le crieur public lança d'une voix saccadée, scandant ses phrases à contretemps Il est fait à savoir aux habitants de Goderville, et en général à toutes les personnes présentes au marché, qu'elle a été perdue ce matin sur la route de beuzeville entre neuf heures et dix heures un portefeuille en cuir noir contenant cinq cents francs et des papiers d'affaires on est prié de le rapporter à la mairie incontinent ou chez maître fortuné hulbrech de manerville et il y aura vingt francs de récompense puis l’homme s’en alla. On entendit encore une fois au loin les battements sourds de l'instrument et la voix affaiblie du crieur. Alors, on se mit à parler de cet événement en énumérant les chances qu’avait maître Houlbrec de retrouver ou de ne pas retrouver son portefeuille. Et le repas s'acheva. on finissait le café quand le brigadier de gendarmerie parut sur le seuil il demanda maître hochecorne de bréauté est-il ici maître hochecorne assis à l'autre bout de la table répondit me v'là et le brigadier reprit maître hochecorne voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie monsieur le maire voudrait vous parler le paysan surpris inquiet Avala d'un coup son petit verre, se leva, et plus courbé encore que le matin, car les premiers pas après chaque repos étaient particulièrement difficiles, il se mit en route en répétant Me v'là, me vlo, Et il suivit le brigadier. Le maire l'attendait, assis dans un fauteuil. C'était le notaire de l'endroit, homme gros, grave, à phrase pompeuse. Maître Corne dit-il, on vous a vu ce matin ramasser sur la route de Beuzeville le portefeuille perdu par maître Houlebreck de Manerville. Le campagnard, interdit, regardait le maire, apeuré déjà par ce soupçon qui pesait sur lui sans qu'il comprît pourquoi. Mais, mais, j'ai ramassé ce portefeuille? Oui, vous-même. Parole d'honneur, je n'en ai seulement point eu connaissance. On vous a vu. On m'a vu Mais Qui ça qui m'a vu Monsieur Malandin, le bourrelier. Alors le vieux se rappela, compris et rougissant de colère Oh, il m'a vu sur ma il m'a vu ramasser cette ficelle-là. Tenez, monsieur le maire. Et, fouillant au fond de sa poche, il en retira le petit bout de corde. Mais le maire incrédule remuait la tête. Vous ne me ferez pas à croire, maître Hochecorne, que monsieur Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. Le paysan, furieux, leva la main, cracha de côté pour attester son honneur, répétant C'est pourtant la vérité du bon Dieu, la sainte vérité. le maire, là sur mon âme et mon salut, je le répète. Le maire reprit après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore cherché longtemps dans la boue si quelques pièces de monnaie ne s'en étaient pas échappées. Le bonhomme suffoquait d'indignation et de peur. Si on peut dire. Si on peut dire. Des montries comme ça pour dénaturer un honnête homme. Si on peut dire. Il eut beau protester, on ne le crut pas. Il fut confronté avec monsieur Malandin, qui répéta et soutint son affirmation. Ils s'injurièrent une heure durant. On fouilla, sur sa demande, maître hochcorne On ne trouva rien sur lui. Enfin, le maire, fort perplexe, le renvoya en le prévenant qu'il allait aviser le parquet et demander des ordres. La nouvelle s'était répandue. À sa sortie de la mairie, le vieux fut entouré, interrogé avec une curiosité sérieuse et goguenarde, mais où n'entrait aucune indignation, et il se mit à raconter l'histoire de la ficelle. On ne le crut pas. On riait, il allait, arrêté par tous, arrêtant ses connaissances, recommençant sans fin son récit et ses protestations, montrant ses poches retournées, pour prouver qu'il n'avait rien. On lui disait « vieux malin bon. !» Et il se fâchait, s'exaspérant, enfiévré, désolé de n'être pas cru, ne sachant que faire, et contant toujours son histoire. La nuit vint, il fallait partir. Il se mit en route avec trois voisins à qui il montra la place où il avait ramassé le bout de corde, et tout le long du chemin il parla de son aventure. Le soir, il fit une tournée dans le village de Bréauté, afin de la dire à tout le monde. Il ne rencontra que des incrédules. Il en fut malade toute la nuit. Le lendemain, vers une heure de l'après-midi, Marius Pommel, valet de ferme de Maître Breton, cultivateur à Immobile, rendait le portefeuille et son contenu à Maître Houlbreque de Manerville. Cet homme prétendait avoir en effet trouvé l'objet sur la route, mais ne sachant pas lire, il l'avait rapporté à la maison et donné à son patron. La nouvelle se répandit aux environs. Maître Hochecorne en fut informé. Il se mit aussitôt en tournée et commença à narrer son histoire complétée du dénouement. Il triomphait. « Ce qui me faisait deuil, disait-il, c'est pointant la chose, comprenez-vous, mais c'est la menterie. Il n'y a rien qui vous nuit comme d'être en réprobation pour une menterie. Tout le jour, il parlait de son aventure. Il la comptait sur les routes, aux gens qui passaient, au cabaret, aux gens qui buvaient, à la sortie de l'église le dimanche suivant. Il arrêtait des inconnus pour la leur dire. Maintenant, il était tranquille. Et pourtant, quelque chose le gênait sans qu'il sût au juste ce que c'était. On avait l'air de plaisanter en l'écoutant. On ne paraissait pas convaincu. Il lui semblait sentir des propos derrière son dos. Le mardi de l'autre semaine, il se rendit au marché de Goderville, uniquement poussé par le besoin de compter son cas. Malandin, debout sur sa porte, se mit à rire en le voyant passer. Pourquoi? Il aborda un fermier de criquetot qui ne le laissa pas achever, et, lui jetant une tape dans le creux de son ventre, lui cria par la figure Gros malin va. Puis il lui tourna les talons. Maître Ochecorn demeura interdit et de plus en plus inquiet. Pourquoi l'avait on appelé gros malin? Quand il fut assis à table dans l'auberge de Jourdain, il se remit à expliquer l'affaire. Un maquignon de Montivilliers lui cria. Allons, allons, vieille pratique. — Je la connais, ta ficelle !— Ochecorne balbutia !— Puisqu'on l'a retrouvée, supporte ta feuille !— Mais l'autre reprit. — Tais-toi, mon père. Il y en a un qui trouve, et il y en a un qui reporte. — Ni vu ni connu, je t'embrouille Le paysan resta suffoqué. Il comprenait enfin On l'accusait d'avoir fait reporter le portefeuille par un compère. Par un complice. Il voulut protester, toute la table se mit à rire. Il ne put achever son dîner et s'en alla au milieu des moqueries. Il rentra chez lui, honteux et indigné, étranglé par la colère, par la confusion, d'autant plus atterré qu'il était capable, avec sa finauderie de normand, de faire ce dont on l'accusait et même de s'en vanter comme d'un bon tour. Son innocence lui apparaissait confusément comme impossible à prouver, sa malice étant connue, et il se sentait frappé au cœur par l'injustice du soupçon. Alors il recommença à conter l'aventure, en allongeant chaque jour son récit, ajoutant chaque fois des raisons nouvelles, des protestations plus énergiques, des serments plus solennels, qu'il imaginait, qu'il préparait dans ses heures de solitude, l'esprit uniquement occupé par l'histoire de la ficelle. On le croyait d'autant moins que sa défense était plus compliquée et son argumentation plus subtile. « Ça, c'est des raisons de disait-on derrière son dos. Il le sentait, se rongeait les sangs, s'épuisait en efforts inutiles. Il dépérissait à vue d'œil. Les plaisants, maintenant, lui faisaient compter la ficelle pour s'amuser. Comme on fait compter sa bataille au soldat qui a fait campagne. Son esprit, atteint à fond, s'affaiblissait. Vers la fin de décembre, il s'alita. Il mourut dans les premiers jours de janvier, et, dans le délire de l'agonie, il attestait son innocence, répétant Une petite fichelle, une petite fichelle, tenez, la voilà Monsieur le maire